Salut. Bon, ce matin, c'est pas la grande forme comme hier. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas vlogué. J'ai, vous savez, cette sensation de tomber malade avec tous les symptômes qui vont bien. Bon, c'est pas bien grave. Là, je vais déjeuner et puis bah, je vous reprends après. De toute façon, j'ai plein de choses à faire. Et puis, bon, on va bouger aujourd'hui. Ah oui, et si vous vous demandez, il y a bien eu piquage de robe de chambre. J'ai pris celle, la Superman d'Eric. Les miennes sont en train d'être lavées. Avant de prendre un efferalgan, je vais quand même contrôler ma température en espérant que ça fonctionne. Bon, 37,9. Je pense qu'il n'y a pas de fièvre du coup. J'ai mes tartines qui sont en train de chauffer, mais je peux vous dire que je vais me prendre mon jus de carotte. Il n'y avait plus que ça. Regardez, je vais vous montrer un truc. Montre ton beau pyjama. Mais tu es tellement beau. Et au début, quand tu l'as acheté, tu pensais que c'était un Jackie. Alors que c'est un chien, bébé. Oh non, non, c'est ridicule. Et il y a mon Jackie qui me réclame sa balle. Allez, on y va. Pousse-toi. Je veux dire qu'il a la forme ce matin. Bah ça y est, ça c'est une neuve. Hein. J'en ai repris une nouvelle hier. Ça c'est une neuve. Ben oui. Mais si, mais il joue à fond avec. Alors, je viens de me faire une petite séance photo pour mettre en avant, vous savez, la montre. J'ai pas trop regardé le résultat, mais bon, sinon, si ça vous intéresse, allez voir sur mon Insta, voir si je l'ai publié. Aujourd'hui, donc, Eric a rendez-vous sur Sharp pour son boulot. Il m'a proposé, il m'a dit, voilà, le temps que moi je fasse mon rendez-vous, est-ce que ça te dit de venir avec moi? Je te dépose dans la zone commerçante. Et en fait, c'est plutôt cool parce que j'ai reçu encore une nouvelle carte cadeau Jiffy, sachant qu'il y en a un là-bas. Je me suis dit, peut-être que ça va changer. Dans un nouveau Jiffy, il y a peut-être plus de choix. En plus, il y a H&M, il y a Maison du Monde, il y a Pinky, bref, il y a plein d'enseignes que j'aime plutôt pas mal. Donc, j'ai dit oui, et ben, on y va pour 14h. On part à 14h. Mais pour le moment, je vais aller manger. Il faut que je montre quand même quelque chose, là. Il y a quelqu'un qui est juste là. Bonjour, petit garçon. Comment ça va? Pardon? Tu viens? On va aller manger? Alors, si vous vous demandez, c'est de l'avoine, du quinoa. Et il y a des petits morceaux d'algues. Donc, c'est un petit goût légèrement iodé. Ouais, je vous regarde comme ça parce que j'ai encore le doute. Mais je pense que c'est bien au niveau des tremblements de l'appareil. Je suis prête, je me suis changée hein, parce que le rouge à lèvres, trash et tout, c'était vraiment que pour la photo. Et on va partir. On va à Chartres. C'est l'heure. Bon, t'es content? De quoi? Qu'on aille à Chartres? Même ouais, si t'y vas pour bosser, toi. Ouais, j'y vais pour bosser. J'ai toujours envie d'être avec toi. Oh, c'est gentil, ça. Non, ça va. Il n'y a aucune raison. C'est... Je sais pas comment je dois le prendre. Non, je sais pas. C'est... Comment je dois le prendre? Bisous bébé, bisous. À toutes. À toutes. Dis donc, il a l'air tout petit ce Jiffy des idées de génie. Ah bah non, en fait il est hyper profond, il va loin, donc c'est bon. Bah, je viens de sortir, il y avait de la musique donc j'ai pas pu vlogger, j'ai trouvé des trucs sympas. Un objet déco, et vendu pour 60 euros. Tout rond. Non, il y a eu 18 centimes parce que j'ai pris un sac. Voilà. Et ce qui se passe, c'est qu'il est que 3h30, l'heure à laquelle il y avait rendez-vous. Et je sais pas où aller, là. Il y a un bureau valet, tiens, ça peut valoir le coup. Papeterie, au moins je serai au chaud. Par contre, je vais me trimballer le gros sac, mais bon. Alors, rien que ça, regardez cette toute petite trousse comme elle est mignonne. C'est pas donné, hein. 8, 10 euros. Il y a plein de papeterie comme j'aime. Niveau des crayons, ça se passe comment? Oh, c'est adorable. C'est des paresseux, ça. On a Serge également. Il y a vraiment de tout. Pas bien pour prendre beaucoup de choses. Non, c'est vraiment les courses. Donc là, j'ai retrouvé Eric, on va au supermarché. Et j'ai eu mon papa au téléphone. Ils viennent demain, Sylviane et lui, à la maison, on va manger ensemble. Et je pense... il arrive de Chine. Il était à Bali, mais il fait Bali-Hong Kong. Et de Hong Kong, il fait Hong Kong-Paris. Et bah justement, demain, on va lui poser la question, comment ça s'est passé. Je sais qu'ils avaient des masques et tout. Il y avait tout un protocole, donc ça pourrait être sympa de voir ça ensemble. J'ai la tête toute écrasée, toute décoiffée. Donc voilà, c'est cool, tu vois demain. Petite toi, la mobilette. Et il trace. Hein. Il vient là-bas. Ça le saoule de faire les courses. Mais, oula, en même temps, une fois que c'est fait, c'est cool. Il y a Eric qui m'attend, il a tellement hâte de rentrer que je sais même pas si je vais aller chez H&M, ça craint. Elena Christensen, c'est bien un top modèle des années 90, ça. Ah, elle a sorti sa gamme. Très flower power. Oh, je suis un peu déçue, j'aurais aimé aller voir quand même. En plus,
Bah, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des nouvelles collections de sorties. Bon, bah tant pis. Alors, t'as acheté à manger ? Avant que j'oublie, je vais quand même aller vérifier si j'ai bien gagné 50 euros. C'est juste à côté. Bonjour. Venez. 50 euros. Okay. Merci, au revoir. Eh ben ça fait plaisir, je m'étais pas trompée. 50 euros. Tu te fais du mal. Ouais. Même si ça a baissé, t'as 1000 euros quand même. Non, j'ai pas une Smart TV, mais il m'embête avec les Tu veux quoi, TV. Toi Je veux une télé toute simple. Toute simple, tu rigoles, t'arrêtes pas de me dire tu veux une grande télé. Oui, mais pas Smart. J'ai pas besoin de Smart, mais je m'en fous qu'elle soit Smart. Ça veut dire quoi d'ailleurs? Smart, c'est-à-dire qu'elle soit connectée et tout. J'ai ah, soit ah oui, d'accord. J'ai pas besoin de ça. Je me doutais que pour la Saint-Valentin, ils allaient sortir des trucs quand même. C'est très joli, hein. Pour un supermarché, pas très cher, 10,95 euros ou 10. Parce que tu veux rien, toi, pour ton goûter? Moi. Il dit, prends ce que tu veux pour ton goûter. Alors que c'est... Oh non, mais regardez ça. Profiterol, non. Non, c'est excessif, excessif. Je sais comme vous aimez quand je vous montre, mais alors là... Oh, regardez, il y a un truc, la tartelette caramel, là. Elle a l'air excellente. Tu as pris ça où, Eric? Voyons. Ah mince. Ouais, bah oui, t'as pris ça. Rayon chouette. Tu veux pas aller vite? Non. Si, si, je vais aller. C'est bon, ça? Non, c'est... On te voyait arriver de loin tellement tu es grand. C'est vrai? Ouais. Oui, c'est pour toujours être un avantage. Je me suis fait un petit goûter. Donc, d'habitude, je vais là, chez Paul, et j'étais déçue deux fois. Donc... On dirait qu'il a plu. Non? Pourquoi? C'est bizarre. Je viens de rentrer, je me fais dessuer. Ouais. Nous sommes entrés, je m'en suis foutue partout. C'était excellent, je vais vous montrer. Oui, je vous ai pas montré le goûter, mais d'abord, je donne à manger à Jackie. D'ailleurs, mon Jackie, papa, il t'a acheté un cadeau. Oui, oui, oui. Je veux bien que tu allumes, s'il te plaît. Tu seras bien aimable. Tu cherches quoi? Si, mais dis-moi. J'ai pris ça. Donc j'ai mangé un petit peu dans la voiture. Est-ce que vous voyez par rapport à ma main? Elle est quand même grande. Elle est super bonne. Tu veux la goûter la brioche ou pas? Non, merci. Je vous montre rapidement. Alors ça c'est le joujou qu'Eric a acheté. Et pourquoi tu lui as pris ça? Pour qu'il fasse de l'exercice, c'est ça? Oui, parce que la chaîne intérieure... C'est vrai. Dès qu'il aura fini de manger, tiens, tu pourras. Alors j'ai pris ça, c'est parce que comme je me sens patraque, fiévreux, j'avais très très envie. J'en mange jamais. La compote, poire William, fraîcheur coco, ça a l'air très très bon sur lit de pêche mangue. Le retour du taboulé d'Eric, ça je ne connais pas, mais bon, pané, brocoli, chèvre et basilic. Et c'est tellement bon, le basilic avec le chèvre, je trouve. Des bananes, ça je pense que je vais me faire ça ce soir, j'adore, je sais que c'est pas très bon, mais j'adore ça. Des pruneaux, les noisettes, ça fait longtemps. Mon petit stock, attention, voilà, départ. Le smoothie, parce que je l'aime beaucoup et j'en ai déjà bu pas mal dans la voiture. Des dés de fromage vert, parce que c'est à base de basilic. Ça a l'air trop bon. Il a pris quoi? J'ai même pas vu. Petit pont l'évêque, fabriqué en Normandie. Je vous ai dit, en fait, je suis normande. Même si je vis pas en Normandie, je suis normande. Et je savais pas trop si je vous montrais donc, ce que j'ai pris chez Jiffy. Et j'ai pris également des petites choses chez... Valet, bureau Valet, je crois que ça s'appelle. Donc, est-ce que je vous les montre juste après? Ouais, je pense. Donc, j'étais juste avec la carte cadeau 60 euros, donc j'ai rien payé chez Jiffy. Et j'ai pris deux petites choses, allez voir, à bureau Valet. Je finis de ranger et je vous montre, mais d'abord, avant qu'il fasse trop sombre, vas-y. On y va pour la baballe. Jackie, t'es prêt? Regarde. Ah, qu'est-ce que c'est? Ah, bah oui, c'est différent. Super. Ah bon, non, mais en plus, il a peur. Oh, bah, c'est un peu pourri, ton cadeau, c'est là. C'est le chat le plus courageux du monde. Bah ouais, mais bon. Rien. C'est beaucoup trop... Tu vas casser mes trucs. Eh ben voilà, mon vase. Je m'en doutais. Oh, les idées de merde. Oh, le chat le plus courageux. Il y a une plaque qui a brûlé. Super. Non, mais là, c'est mon plus. Bon, allez, j'y vais, je range. On va se mettre là. Coucou, je pose ici. Je vais vous montrer ce que j'ai pris chez Jiffy d'abord. C'est une figurine grand modèle.
Je crois que c'est un bulldog. C'est un bulldog ou c'est un... Je crois que c'est un bulldog. Il est cassé. C'est pas grave. Je pense que... Il y a moyen. Voilà. Il faut que vous voyez quelque chose. Oui, donc je vais le recoller. Il y a Jack. Il y a Jack. Jack. Regardez-moi sa tête. Il se dit... Je m'en doutais. Il se dit, c'est qui ce gars-là qui est chez moi? Qu'est-ce que c'est? Attends. Tu lui dis bonjour? C'est ton nouveau copain? Je continue. Il est grand quand même, je vous montre juste à côté de moi, vous voyez un peu la grosseur du truc. Mais je crois que c'est un bulldog. Ah, peut-être bulldog anglais même, vu les babines. Ouais, je suis pas une spécialiste des chiens, moi. Je connais quand même plus les races de chats. Bon, on continue. J'ai pris ceci. Je crois que c'est en bambou. Ce qui m'a plu, c'est le rose. Je sais qu'il existe également avec couleur jaune, pareil, très pétant, vert, bleu. De mémoire, 4,90€. J'ai trouvé ce carnet avec des lignes. C'est exactement les couleurs que j'adore. Donc ce gris très légèrement bleuté avec l'écriture rose comme ça, ça me plaît beaucoup. Ça coûtait 2€, je crois, le carnet. Et toujours chez Jiffy, j'ai pris ce coussin coûtait 5,90€, il y avait également le gris. On a la fermeture, donc on peut le laver. Et donc chez Bureau Vallée, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, je me suis pris un petit kit de Stabilo, plutôt dans les tons pastels. Voilà, comme ceci. J'ai pris un calendrier de bureau ravissant, donc c'est un petit format, ça me va très bien. Magnifique, magnifique, ça, j'ai l'impression de voir un peu les photos, certaines photos que mon papa fait. Il fait de très belles photos. Vraiment. D'ailleurs, je vous mets, si ça vous intéresse, là, je vous mets le lien de son site de photos. Je le mettrai dans la barre d'infos. Voilà ce qu'on peut retrouver. Ça va être super joli. Donc, je suis pas certaine de le mettre sur mon bureau. Je le mettrai peut-être dans le salon. Parce que, bah, on s'en fout, en fait, on fait ce qu'on veut. Et j'ai pris, attention, attention, ceci, qu'est-ce que c'est? C'est un porte-post-it chat, 8€. Voilà, c'est un dérouleur à post-it. Si je tire, ah ouais, oh c'est nickel, très pratique, très très bien fait. Voilà, c'est tout pour mes achats. Donc au final, bah, j'aurais pas dépensé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en plus, vous avez vu, bah, j'ai gagné. J'ai bien gagné 50€, donc ça c'était bien. Voilà, c'est tout. Mais vu que demain matin, comme je disais, ils viennent, il faut que je m'avance sur le montage du vlog là, vous êtes en train de regarder. J'avoue. 19h59, j'étais sur le montage. Franchement, c'est pas terrible, pas terrible. Je sens que j'ai de la fièvre. Je l'ai prise à l'heure 37,9 et 37,9 en fait, j'avais pas vu, mais c'est que ça commence. Ça picote, je suis pas en forme. Mais bon, j'ai bien avancé déjà, ça c'est cool. Et je vais aller manger. Je fais ma pause et après je remonterai pour terminer. Voilà. Bon, j'espère que demain ça va aller parce que j'ai envie d'être en forme quand même pour les voir. Et puis continuer à vlogger surtout. Bon, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Qu'est-ce que t'as ? Je vous fais un gros bisou.